Hocine Aït Ahmed, grand vétéran de la guerre d'Algérie et farouche opposant aux différents régimes de son pays, a été inhumé le 1er janvier dans son village natal de Kabylie. L'homme était le dernier survivant des 9 fils de la Toussaint, les chefs qui ont déclenché la guerre d'Algérie contre la puissance coloniale française le 1er novembre 1954. Des milliers de personnes ont tenu à lui rendre un dernier hommage. Il défendait tous les citoyens, les pauvres, il aimait tous les gens, la preuve, il est avec son peuple aujourd'hui. Il n'est pas un but de soi-même, c'est son parcours qui le rend humble. Hocine Aït Ahmed est décédé le 23 décembre à Lausanne en Suisse des suites d'une longue maladie à 89 ans.